On est dans Tomer Deborah. On est sur les paroles de Micha qui hafetz chesed ou qui hafetz, mais c'est hafetz, non, hafetz. Mais hafetz, c'est il désire. Il désire le chesed, la bonté. Akadosh Baruch Hu, lui, il désire la bonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Rav va nous expliquer de quoi il s'agit de Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que ça nous transmet à nous le message, comment nous on doit se comporter après, okay, à l'image de Kadosh Baruch Hu. Kvar perashnu bimkomo sheyeshecha yadua shel ha'melachim ha'emunim lekabel gimlut chasadim she'adam oseh ba'olam hazeh. Déjà, okay, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a déjà, le Rabbi nous a éclairci ailleurs, dans par des cérémonies, il y a un Echal. Echal, c'est un endroit dans le monde en haut, dans les mondes en haut, que cet endroit-là, maintenant, il y a des anges, que eux, ils sont chargés de prendre toutes les bontés que l'homme y fait. Ça peut être des bontés qu'on ne peut même pas s'imaginer. Des fois, des petits trucs, on verra. Des petits trucs de rien du tout, ça peut être quelque chose d'énorme. C'est pas besoin maintenant de... Quand HaKadosh Baruch Hu, lui, mesure la bonté que l'homme y fait, il ne va pas mesurer par rapport à comme nous on mesure. Il mesure par rapport à comment HaKadosh Baruch Hu lui juge les choses. Des fois, ça peut être un petit truc de rien du tout. Et c'est devant HaKadosh Baruch Hu, c'est énorme. Et des fois, un homme, il fait. En fin de compte, c'est zéro. Par exemple, petit exemple. Il dit le Baruch Hu Rabbi Chaim Vital dans Sha'arei Kedusha. Il dit que HaKadosh Baruch Hu, lui, après 120 ans, je lui ai dit au bonhomme, dis-moi, tu as fait le chesed dans ta vie? Et voilà, quand je vous regarde, j'avais une usine de chesed. Pas chesed, l'usine de chesed. Comment? Je récoltais en premier tous les ingrédients de tous les magasins et je préparais des salims. Salims, c'est des sacs et je transmettais aux pauvres. Psh, quelque chose d'extraordinaire, ça. Alors, il a dit, j'ai pas besoin de tout cela. Qui c'est qui a dit de faire cela? Il va lui jeter tout sur la figure. De quoi il s'agit? Il va lui faire montrer son film. Comment tu es à la maison quand tu rentres à la maison? Tu vois ta fille, regarde comment elle a besoin maintenant que tu l'aides dans les devoirs. Mais je ne sais rien en maths. Et même si tu ne sais rien en maths, ça ne veut pas dire maintenant que tu vas t'asseoir, tu vas elle enseigner les maths, mais donne-lui l'importance. Ta femme, le chesed, tu ne veux pas lui faire chesed? Donne l'importance. C'est des petits trucs de rien du tout. Il dit le Maoro Bihim Vital, on va lui prendre tout son chesed dans les yeux de la figure. Pourquoi tu ne jettes pas la poubelle? Il dit, moi, je ne suis pas une poubelle, moi. Non, mais même que ce n'est pas à ta hauteur. Aide à la maison, aide ta femme à la maison, aide tes enfants. Prends le balai des fois. Sinon, ça va te faire plaisir à ta femme. Elle prend le balai. Ça ne veut pas dire que tu vas prendre toute ta journée le balai. Non. Gère tes affaires, même à la maison. Donne de toi-même, de ton toi. Donne. N'est pas bloqué. Time is money. L'argent, c'est le temps, c'est l'argent. Attends, tu me vois balayer. Lors d'un tour, je fais comme ça, c'est 1000 euros. Et moi, ça ne vient pas à la tête de quelqu'un maintenant de prendre le balai au lieu de prendre la... Qui t'a dit que tu vas comparer? Quand le bourreau te demande, fais hesed. Tu sais, hesed, c'est aussi une règle de rigoler, sourire à quelqu'un. C'est hesed, tu l'as sauvé la vie. Il y a des fois des histoires. Il y en a un qui était prêt à se pendre. Un, il a souri. Il a dit quelques mots. Le bonhomme, il a fait demi-tour. Est-ce que ça se... Akadosh Baruch Hu, après 120 ans, il va nous dire quoi? Alors, comme ça, il nous dit, Hachem midat din, mekatreget al Israël, comme maintenant le din en haut, le côté négatif, elle dit, regarde le juif, comment, regarde, tu lui as donné la Torah, qu'est-ce qu'il fait avec la Torah? Tu lui as donné une possibilité d'être un ange, regarde, qu'est-ce qu'il fait avec tout cela? Et bien là-bas, ça part, ça accuse, en Israël.
etc. Ta, 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 ta. Il dit le Rav, Miyad, Otama, Malachim, Marim, Ahesed, Aoul, Viakadot, Bokhoum, Ahem, Alisraeli, Ratson. Ces gens-là maintenant qui sont dans ce Echal de Hesed, ils viennent tout de suite, ils courent vers Akadosh Baruch Hu et ils font montrer à Akadosh Baruch Hu le Hesed. Regarde Am Israël. Regarde comment maintenant ils s'occupent un de l'autre. Regarde, cette femme-là maintenant elle était triste et puis cette femme à côté, elle a aidé. On peut sauver de familles avec une petite réflexion de rien du tout. Je vous dis des familles. Des cas, on peut donner des cas. Après, les gens, ils se réveillent. Mais pourquoi ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ça s'est passé, que ça fait des années en arrière. Cette femme comme ça, ce bonhomme comme ça. Après, ils se réveillent. Et il faut se réveiller avant. Et Akadosh Baruch Hu, quand il vient maintenant sur Hesed, maintenant en haut, il vient vers Akadosh Baruch Hu, il dit, regarde maintenant, ce bonhomme-là, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, on est Merahem Alam. Miséricorde, Akadosh Baruch Hu. Mipne she'u hafetz pehesed. Parce que Akadol Bohu, il désire la bonté. Le but, c'est bonté. Et il faut chercher la bonté. Il ne faut pas faire des usines de bonté. Si tu as la capacité de faire des usines de bonté, fais. Mais il faut aussi les, comment on dit, regarder quelle bonté. Des fois, ce n'est pas une bonté, ça ne va pas être une bonté, ça ne va pas être un hesed bichlal. Ce hesed, peut-être, ça va être roban, pas hesed. Il faut être hesed chez les maîtres. Il y en a une femme à Tel Aviv, il y a un terroriste qui a chez Michemort, qu'est-ce qu'il a fait? Et il courait, et les gens couraient derrière lui. Ils étaient prêts à le déchirer. Il est tombé par terre, il y en a un qui l'a voulu tuer, cette femme-là elle s'est jetée sur le terroriste. Ezeh hesed. Hein? Haïm Yitzhak, ezeh hesed, c'est un bon hesed ça, hein? Mais qu'est-ce que tu fais avec qui tu fais hesed? Avec les terroristes? Alors, comment on peut savoir si c'est vraiment un chesed? Qu'est-ce que tu fais? Une chose. On va chez les rabbanim qui sont compétents, et on leur raconte. Kodara, voilà, je pense à faire comme ça. Qu'est-ce que vous dites? C'est bien, c'est conseillé. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de poser la question parce que c'est en face de toi. Le temps que tu as posé la question, le bonhomme, lui, a chez Michemot, tu peux y arriver, qu'est-ce que tu dois y arriver? Tout cela, c'est à gérer. Il dit le Rav, im eyot shem chayavim, imem gomlim chesed zelazem merahem alehem. Puisque maintenant les gens, même que des fois, ils doivent recevoir Hashem Yishmor, comme on dit chez nous, Treha, Yakadosh Baruch Hu, lui, il miséricorde, il est Mirahem Alehem. Uchmo Shaya Bizman Ahurban, Sheneema le Gabriel Boel Benot la Galgal, qui ou Sar Adin. Gabriel, c'est quoi? Sar Adin, c'est le gouverneur de Din. Vergvura, justice. La justice. ונתן לו רשות לקבל כוחות הדין, בנות וגגה מידה לקירובים, מאש המזבח, דהיינו דין גיבורות המלכות. הקדוש ברוך הוא נתן לאוטוריזציה. פיק את חוצ'יו. והיה הדין מתחזק עד שביקש לכלות את הכל. אל הדין קומנסה, האט פריפור, האט פריפור, ז'וסקה פרסק, יבולי אקסטרמינטו. לקעקע בצאתם של ישראל. לפני שנתחייבו השם ישמור, השם ישמור. עם ישראל על אפוק, il fallait Hashem Yishmor les effacer. Ochtim vayera la kerovim tamid yad adam tahat kanfeim ve'anu she'amar akadosh baruch hu Gabriel em gomlim chasadim elu ba'elu. Qu'est-ce qu'il a fait? Le pasuk qui veut dire que akadosh baruch hu il a dit à Gabriel il a voulu de din, il est là, allez on donne, on efface, on détruit, comme ça en haut ça parle. Vas-y. Il y a des anges à droite et il y a des anges à gauche. Les anges à droite, ils disent, non, quand je vois, regarde en Israël. Regarde comment ils font de la Torah. Les anges à gauche, ils disent, regarde ceux-là qui sont rigolos. Regarde comment ils se comportent avec eux. Regarde la Shonara, regarde, tu as vu la Shonara? Qu'est-ce que c'est la Shonara? Ça tue trois personnes. Celui-là qui leur l'a dit, celui-là qui l'a parlé, celui-là qui l'a écouté et celui-là qu'on a parlé sur lui-même. Et Midat a dit, Elta. Et Gabriel lui dit, moi, laisse-moi quand je me roule. Tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Le Hesed, il va vers la Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Et il demande à la Kadosh Baruch Hu miséricorde. Ve'af imem hayabim, nitsolou ve'aya lahem sherit. Même s'ils étaient obligés, mais Hashem Yishmor d'exterminer,
quand même, on a vu beaucoup qui ont été sauvés. Mais ça passait partout dans tous les sens. Parce que même ceux-là, qui, regardez jusqu'où ça va le Yetzer Hara. Quand ils se sont sauvés, Baruch HaShem, ils sont sauvés de Nebuchadnezzar, de Nebuzaradan, et ils tuaient les gens sans pitié. Où ils sont partis? Ils sont descendus vers les Ishmaël. Et là-bas, ils ont dit à Yirmiya, et il dit, donc qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit continuer ou on doit y aller ailleurs? Il dit, donnez-moi 3 jours, je vais vous répondre. Après qu'ils ont, il a répondu, ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez combien des milliers sont morts après? Même des rescapés. Les Ishmaël, chez Ishmaël. Ils leur ont donné. Quoi? Venez manger, les Juifs, nos frères. Allez, on est des frères. Leur père à eux, qui c'est? Ishmaël. On est des frères. Ils leur ont donné de manger quoi? Des poissons salés. Et là, ils avaient soif. Tu veux m'en manger, ma tiens, femme, prends encore des poissons, prends un grand poisson, un bon poisson salé, un hareng, des anchois, des bons anchois. Ils commençaient à boire, commençaient à manger, à manger, à manger, et après qu'ils avaient soif, ils leur ont donné des cruches d'eau vide. Et quand ils ont bu d'un trait, il n'y avait rien dedans, l'air est rentré, ils ont éclaté. C'est ça qu'on dit les keynotes, non Tchabéa. Ve'atam ipne midazo ki chafetz resedou, Akadosh Baruch Hu aussi les a sauvés. Tous ceux-là qui étaient en exil, Akadosh Baruch Hu déjà il a préparé le coup avant. Akadosh Baruch Hu il a préparé avant qu'on ait dansé, on est parti à Babel. Acheresh ve'amazger. Le roi et tout cela, tous les chachamim, ils sont partis avant, ils sont partis à Babel. Pourquoi ils sont partis à Babel? Pour préparer le terrain. Quel terrain? Qu'il y a Torah, il y a les Chachamim qui sont là-bas. Comme ça, Israël, quand ils sont venus après à Babel, ils demandaient la question, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on doit faire? Comment on fait Shabbat? Comment on va faire les fêtes? Comment on va faire les halachot, etc. Pour pas qu'il y aura que Israël, ils soient exterminés. Grâce à quoi? Midata Hesed. La bonté. Rotsé. Bamesh Israël, Gomalim Chesed, Veoto Tzat, Maskir Laem, Im Eyot, She'enam, Ksharim, et Sadachem. Même que le bonhomme, lui, ou les gens, ou Am Israël, ils ne méritent pas des fois. Ils ne méritent pas. Pourquoi ils ne méritent pas? Le Midat Adin est dit, dis-moi, la Torah, vous savez qu'est-ce que ça veut dire la Torah? C'est quelque chose divin. La Torah, c'est divin. Comment tu te négliges? Comment c'est possible? Que c'est Akadosh Baruch Hu, il te donne une partie de lui et tu n'acceptes pas? Tu ne veux pas comprendre? Nous on le veut, ils disent les anges. Donne-moi, il a dit, les anges ont dit à Akadosh Baruch Hu, donne-moi, on veut la Torah. Ils n'ont pas voulu donner que Akadosh Baruch Hu donne la Torah à Israël. Moshe Rabbeinu, quand il était monté en haut pour prendre la Torah, ils ont voulu le tuer. Ils ont voulu le brûler. Qu'est-ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu? Il a dit à Moshe Rabbeinu, tiens le tronc divin et réponds. Moshe Rabbeinu lui a répondu. Nachon que vous avez raison, quand même Israël ils peuvent fauter. Mais il y a Tchouba. Un homme il peut faire Tchouba. Un homme que lui qui fait Tchouba, c'est énorme devant Kadosh. C'est énorme. Regardez qu'est-ce qu'elle fait de Hesed. L'imkem et mida zora ou l'adam et neg. Maintenant, dans cette mida-là, dans cette mesure-là, dans cette qualité-là, un homme, il doit se comporter. Af imra, chez Adam, oselora, ou machiso. Même qu'un homme, lui, il voit qu'un homme, maintenant, il a saoulé. Il s'est comporté mal contre lui. Des fois, c'est quelqu'un de la famille. Im yesh botsatova. Des fois, il fait. Bon. 80% il n'est pas bien, mais 20% il fait du chesed. Il t'a fait de la bonté une fois. Il est bien, il était bien avec toi une fois, deux fois. Chez Metiv la Acheri,
ou peut-être il fait avec quelqu'un d'autre. Omida Tova, chez Mitnei Kashua, où lui maintenant il a une bonne qualité, que maintenant cette qualité maintenant elle est positive, elle est bien. Yaspik Lotzadze Levatel Kasso, au moins. Ça va être très 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 vite dans tous les sens avec, à la maison. Regarde comment elle m'a parlé. Regarde comment elle, elle me considère comme une serpillère. Regarde. Attends, tu n'as pas compris. Regarde le côté que elle, le matin, elle te laisse tranquille, elle est à la tfila, elle s'occupe des enfants, elle fait le casse-croûte, et toi tu es tranquille dans la tfila, elle t'embête pas. Mais des fois elle pique, tu sais pas pourquoi elle pique, et toi tu te mets en colère. Mais regarde les bonnes choses qu'elle fait, regarde le côté positif. Parce que non, quand il vit avec sa femme, les premiers mois, c'est magnifique. Si on pouvait jouer avec la flûte ensemble, ou avec le violon, c'est magnifique. Il y a les fleurs, c'est tout rose. Et après, ça commence, tout simplement. Ça commence à gonfler, tout simplement. Tu la vois tordue, elle m'énerve, sa mère, son père, etc. Ça part dans tous les sens. Mais si un homme, lui, automatiquement, tout le temps, tout de suite, il regarde les côtés positifs. Automatiquement, les côtés négatifs descendent. C'est une éducation. Ça se travaille. Sinon, il ne va pas travailler. C'est dommage. Chez un homme, il ne travaille pas dans un foyer. Il ne fait pas le travail tous les jours. Ah ben, j'ai 40 ans, et puis c'est bon, je suis déjà... Les enfants, ils ont grandi. Ça sert à... Commence de même. Le bonhomme, il est tordu. Corrige-toi. Qu'est-ce que c'est? Tu vas rester avec sa femme après 120 ans. Les enfants, ils vont s'envoler du nid. Tu vas rester tête à tête avec elle. Écoute, elle dans un coin, moi dans un autre coin. C'est ça le foyer. Tu veux la shrina à la maison? Tu veux être riche? Il y en a qui disent, moi, arabe, moi, je veux beaucoup d'argent. Il y en a qui disent comme ça. Ah, je ne connais pas. Moi, beaucoup d'argent. Je dis Khazak. Mais si tu veux beaucoup d'argent, il faut que tu honores ta femme. Tu dis, on n'a pas ta femme, tu n'as pas beaucoup d'argent. Et même si tu en as beaucoup, tu n'as pas de bracha. Fais des comptes, tu verras. Pas de bracha. Parce que la bracha, Shérouya, Etzel, Aïcha, la bracha, ça vient de la femme. On parle d'une femme qui est correcte avec Yirat Shamay. Pas qu'elle fait la verra de la droite à la gauche, qu'elle. Il dit le Rav, Vivatel Kaasome Ala Virzel Ibo Imo Virpots Rehesed. Il faut désirer le Hesed, désirer le Hesed. Veyomar Daili Betova, il faut qu'il dise, regardez qu'est-ce qu'il dit le Rav, des paroles extraordinaires, c'est des perles. Il faut qu'il dise Daili Betova, Sheyeshlo. Ça suffit, la bonté qu'il fait. Il fait une bonne bonté, mais 99 c'est. Il fait une. Les paroles qu'il dira. Plus forte raison, il ne faut pas s'énerver. Des fois, le bonhomme, il rentre Shabbat à la maison. Elle est feignante, celle-là. Elle est feignante. Elle n'a même pas mis la table. Encore une autre fois, il faut que c'est moi que je mets la table. Encore une autre fois, c'est moi que je mets ça. Un homme, il faut qu'il apprend à être humble. C'est ce travail. Mais Rab, on dit que l'humilité, c'est... ça vient juste à la fin. C'est tout après la nuit, c'est juste avant Roi Hakodesh, non? Non, Anab, c'est ça demande depuis que t'es né. Oui, mais pour être vraiment humble, j'avais vu ça avec un rave. Oui, mais ça se travaille, commence. Ça veut pas dire que tu t'écrases. Humble, c'est pas ça, ça veut pas écraser. Humble, il faut, si un homme il se travaille, moi je dis franchement c'est très difficile. Ah ben si un homme il se dit dans sa tête, ça c'est un petit message qu'on peut transmettre. Tout, on peut dire encore une fois, tout, ça vient d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, tout, ça vient d'Hachem? On n'est pas beaucoup d'hommes chez nous, il n'y a pas beaucoup d'hommes. C'est nous, tu peux choisir. Tu as la possibilité de faire comme ça ou autrement. Tu as la béchira, quand le Bokhoui t'a donné le libre arbitre. Pour chaque action, pensée, parole, action, tu as le libre arbitre. Et lui,
aussi. Et s'il a fait, s'il a dit, c'est parce que Kadosh Baruch Hu il a tranché. On transmet le srout. Srout, ça veut dire quoi? Le mérite par rapport à quelqu'un qui mérite. Ça veut dire que si un homme ne mérite pas, un homme il mérite un coup. Pourquoi il mérite un coup? Parce que tu le mérites. Eh mais lui, c'est qui l'a tapé. Lui aussi, il mérite de taper. Mais lui, il va être tapé aussi. Pas maintenant, pas 10 ans, pas 20 ans, peut-être, je ne sais pas quand, mais il va être tapé. Ça veut dire que, comme il dit Rashi là-bas, si un homme ne met pas une barrière dans la maison quand il a fait un balcon, il faut mettre la mitzvah de la Torah de mettre un balcon. Chez le hippol, un offel, il ne faut pas qu'il tombe sur qui doit tomber. Pourquoi? Il dit Rashi atidze l'hippol. Celui-là, il doit tomber. Pourquoi? Parce que X, il a des comptes avec Akadosh Baruch Hu. Mais toi aussi, tu as un compte. Quel est ton compte? Ton compte que toi, tu n'as pas mis la barrière. Ah, tu n'as pas mis la barrière. Celui-là qui doit tomber, il doit tomber chez toi. Comment c'est possible? Et le gagilim scout et la ali des akai. Ochom ali des chayav. Kadosh Baruch Hu, puisque lui il est méritant, et ben, puisqu'il est chez toi, toi aussi tu es méritant, et ben lui il va venir chez toi, il va te donner 1000 dollars. Parce que toi tu dois recevoir les 1000 dollars. Et lui, parce qu'il est méritant de donner 1000 dollars, avant, si un homme il n'est pas méritant, il ne va pas les donner les 1000 dollars. Ou s'il va les donner, il va les donner à quelqu'un, à un pauvre que ce pauvre-là maintenant, il va acheter de la drogue. Il nous dit le Rav, d'ayen, ou chez Megadot, comme il nous dit maintenant, tu peux chou, chazaz, et chou, chadayen, ou ça suffit, chez Megadot, venez nous, matzilot, dans le minahet. Ça suffit que l'homme, il est sauvé du péché, et que la femme, elle prend les enfants, elle les grandit. Car le mal, quand le col à dame, d'aïdim, et tova, plonit, chez Assal, yakadot, baoukou. Chassal, il plonisait. Ça suffit que l'homme, il dit, ça suffit que, qu'est-ce que c'est, il m'a fait ce bonhomme-là. Il m'a fait une faveur une fois. Je ne peux pas lui rendre. Mais regarde comment il se comporte avec moi. Des fois, ferme l'œil. Ne dis rien. Le temps, il passe. Les attachés, ça va changer. Il y a des choses qu'il faut prendre en considération. Si c'est des choses que c'est à cause des rouhaniot ou des pertes de l'argent, des fois graves et tout cela, il faut se conseiller. Ce n'est pas la jungle ici. Il faut se conseiller avec le rab, avec un rab qui est compétent, etc. C'est pas maintenant, c'est bon, tu vas donner la deuxième joue. On ne parle pas que tu donnes la deuxième joue. Et là, tu dois gérer tes affaires, tes choses, Bezant Hashem, comme la Torah, elle te dit, Chazak Baruch.